Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre belle show de Ralph Condé. Nous connaissons ça, c'est toujours, nous recevons un paquet de gros artistes et nous faisons biographie artiste sur la chose. Je vous dis à son plaisir, je recevoir une, number one, je prends une responsabilité, ça vous me dit, l'un a fait comédien, l'un monde qui a fait comédien en Haïti. Je voulais parler de Tonton Bichat, que nous les connaissons, que c'est Daniel Fils-Aimé. Donc, je dis à nous, il y a plus de monde qui t'a demandé pour Tonton Bichat. L'un chose, ça, et bien, je dis à mal péché, monsieur, m'pote pour nous. Son plaisir et son honneur, m'a accueilli un gros artiste comme ça, l'un choix, qui c'est Daniel Fils-Aimé. Tonton Bichat, bonne nouvelle, et son plaisir à passer dans en dehors de Fondé Chomène. Ben, et Mabdou, merci d'abord, Ralph, pour l'invitation, parce que c'est toujours un plaisir de parler avec vous, donc en privé. Donc, pour ça qu'on y a là, nous ne pouvons pas faire en public, on ne peut pas parler en Uber. Là, ouais. C'est pas en privé. Donc, pas de problème, je vais parler pour toutes les questions et puis on fait un petit dialogue. Nous. C'est ça. Bon, il y a une question, parce que le monde qui a toujours pensé que je vais commencer avant. Non, c'est Daniel Fils-Aimé. Qui côté non Tonton Bichat a sorti? Mon cher, non Tonton Bichat est sorti et de maman, moi. Okay. D'abord, parce que j'aime de gagner l'âge de 6 ans. Moi, j'étais toujours au cinéma ensemble avec maman, parce que Eden Ciné, il n'est pas vraiment trop loin de côté nous-mêmes, nous étions derrière l'hôpital. Là. Mm-hmm. Et parce que Cap-Haïtien, c'est en plein main. Et puis un jour me dit maman donc on filme Bruce Lee là donc m'a demandé pour capable aller avec moi. Il dit non cette fois vous mettez aller pour compte vous bail ça. Bien ben OK moi aller mal cinéma moi parce que au cap c'est à pied ou pas besoin machine. Oui, c'est pour. Et puis quand il y a oui, moi l'homme retourner la demande pour me faire résumer film là. Comment film dans terre? Dit madame bon moi même t'es on allo pas tu aller donc on seul bagarre au perdu en pile. Bon. Comme moi de me faire résumer pour m'a faire résumer pour comme c'est ton film Bruce Lee, un film karaté, donc je pense que j'écoute pas fait bicha. Okay. Et puis maman me fâché et puis il dit ah ben OK bicha. Donc mais Cap-Haïtien debout ouais, yo bon non. Ou fâché pour lui, l'a tout collé. En fait, Haïti même en général. Oui. Ni tout rete vous. Sous quartier a et maman commence reler bicha. Eh bicha, viens manger non. Quand il y a tout petit monde sous quartier dit bicha. Quand nous avons ça, je me dis, ah, ça. Ben, bicha, ok. Quand je commence à me fâcher, ben, là, je suis arrivé sur la cour de récréation. Wow. Il y a des bicha, même moi, je suis de convoi, peut-être moi, je suis capable. Il y a Faroucho, bicha. Et puis, bon, comme tu es dans le théâtre Bonheur, parce que nous avons une troupe familiale qui était relayée la troupe JPC, les jeunes patriotes capois. Ouais, et puis ben, là, et puis, ben, nous, et puis, nous avons choisi non bicha comme sobriquet, parce que no matter what, tu as toujours un nom d'emprunt. Donc voilà. Ouais. Donc, Et puis, c'est comme ça, Bicha, l'itour était net. Oui. L'homme commence à grammer, il y a un bab, ou qu'à blanchir ce bab là, pour faire paraître grammer. Il y a mettre ton temps en devant. Ton Bicha. C'est ça. Mais est-ce que comédien, si on va écouter toujours aimé ou tu es toujours intéressé avec? Ben oui, depuis petit, moi, je suis né comique. Et okay. Nous avons écrasé la salle de classe en pile, depuis la primaire jusqu'à la secondaire. Donc, c'était ça même que nous avons fait. Nous avons dit que nous avons dit bon, je dis à Timon, je suis fatigué, je ne sais pas pour nous, je vais le trip dehors, je ne sais pas combien de gens sont sortis dehors ensemble avec moi. Et puis, je suis gâté la classe, je suis commencé à faire chez le professeur. Ok. Ah, ça, okay. Ou bien me passer devant et puis bon, faire tout notre stand-up comedy pour faire ça, garder le secrétaire, dire, vous finissez. Et bien, d'ailleurs. Donc, on est comique même. On est comique. On passe tout le bagage en dérision net. Ça fait que même l'autre attendait, au monde, on frappe. C'est ton va perdre parce que ça, on va arriver sur moi. Mais là, maintenant, on a parlé, il y a des nègres comme si. Vous sentez que c'est même voix peut-être au cas fonti modulation voix l'a fait et l'a acting mais ou pas vraiment bon comparativement de ces l'autre comédien qui change voix honnête comme si l'a fait l'autre personnage comme si comédien bon.
Là, regardez, voir, si vous mettez un petit bémol, c'est tonton Bichat, ou mettez un petit dièse, c'est tonton Bichat Pirette, donc c'est même voix. Moi, Bon, ça n'est tonton pas Bichat tellement et changé, moi, vraiment. tonton Bichat et moi, et on avance sur la même voie. Ouais. C'est ça. Mais quel monde qui source d'inspiration, Bichat, dans la comédie? Et c'est presque le même bagarre avec Maurice Sixto. C'est ça moi, c'est ça m'tendait. Parce OK. que et en pile bagarre que me fait c'est moduler moduler hein? Donc moi bagarre là me dit quête. Gardons scène, gardons bataille dans la rue là. Après, je suis tombé sous dos et puis quand au lieu de continuer vous mais puis c'est des lapsiers. Ça c'est des gagnants pour ouais avec un bataille. L'eau fin une bataille. Voici tout connaît vous tomber. Bon, donc c'est des bagarres et puis me dit bon OK, depuis ton tombé, j'ai fait une bataille avec un acteur, donc c'est comme ça. Je me tombais, je m'apprête en CED, je m'apprends courant en tête, et puis c'est CED, puis important, bah, jusqu'à ce que Bichat arrive à l'hôpital. Bref, et c'est ça, c'est le bagage nous, ouais, bagage que nous tendons, et puis nous transformer yo, et, en la vie courante, parce que la vie, en fait, comédien qui s'accueille, c'est la vie de tous les jours que vous mettez, que vous passez en dérision. Vous comprenez? Et puis, vous mettez le nom de Pau. Donc, Ouais, c'est ça, ce n'est c'est pas ça. rien de compliqué. Maintenant, avant d'entrer dans le commencement de carrière, parce qu'à l'âge de 6 ans, on va le faire pour une expérience avec un troupe des jeunes patriotes de Cabois. Faut-il parler nous de l'expérience Donc, c'était une compagnie théâtrale qui, il faut me dire que maman, papa, frère, soeur, tout le monde sait, yo né comique. Et moi-même, tout. OK. Donc, il s'est arrivé que, depuis ma grandi, bon, mon jeune troupe là, donc, la troupe JPC, que mon yote qu'on relève les jeunes patriotes Capois, qui étaient qu'on jouait des pièces engagées, parce qu'à l'époque, c'était sous régime Boudi et Jean-Claude Duvalier. Donc, c'est même Jean, ouais, Pyram avec Polydor de Confea, donc, il y a puis Franck Etienne, l'a récupéré l'intérêt, donc, c'est un gouvernement, t'as parlé. Mais on pas qu'à faire bagarre de manière directe, vous comprenez? Et puis, vous obligé de faire le castigare de Moresse, il faut corriger les mœurs en riant, tout ça. Donc, par exemple, qu'on fait ça, tout. Donc, avec troupe là, mes femmes disent que c'était la famille Fils-Aimé et la famille Pierrette. C'était deux familles qui étaient mises ensemble, Yolin Pierrette, Wilfried Pierrette, Jacques Pierrette, Alcinor Fils-Aimé, Saint-Jean Fils-Aimé, donc... Ce moins, donc, en réalité, donc, Suzanne Fils-Aimé. Donc, toute famille en net, deux familles, ça, on nous met ensemble, et puis, nous, t'es conjoints. Donc, mais à partir de là, bon, il n'y a pas besoin, ouais, que j'ai un talent, il connaît, de vous sortir dans la famille, pam, ou pas capable comique. Capable Moun qui comique connaît hier. maman, moun qui connaît maman, après ça m'a dit, moun qui connaît papa, en fait, qui connaît papa, de regretter mémoire, après que son moun qui était très comique, même le lit, l'a joué, avant maman, c'est bah, blague qu'a bail. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ils ont découvert talent là, quand même. Donc, et puis, c'est comme si Ndakadou, c'est Banabé qui t'a joué théâtre avec Languichat. Donc, il va là, il est facile Ouais, pour les moi-même. naturels. Les Il est naturels, naturel, voilà. ils just venir. Donc, et puis, c'est ça. L'autre a 16 ans et où tu es toujours très demandé pour faire publicité pour le monde. Parce que les mêmes gars qu'on offre en pile publicité, mais qui ça vous pensez qui fait succès, on a dit, Bichat dans sa affaire en publicité? Et c'est créativité et caractère là. Son OK. personnage qui croit en pile dans le jeu de mots. Parce que si on fait publicité même avec tout le monde, on va demander mais où est la différence? Et ça rappelait moins que font publicité pour Valérie Yocanez, côté que m'a dit comme ça, mes amis, regardez moi qui vient acheter meubles dans Valérie Yocanez. Mettez, oh. Gardez même boss maçon, gardez ingénieur, gardez, à part même chauffeur moto là, tout le monde là, oui, était même mère là, tout, était, oh, gardez mais, gardez mais, gardez mais, ouais, tellement ouais, mais, mon père. Donc, Ouais, il faut faire la différence. Et ensuite, bon, bah, qui rappelait tout, monsieur, qui fait pas d'entretien, tout, rappelez-moi, c'est, t'as fait publicité pour une batterie qui est les batteries LTH. Batterie LTH là, c'est son batterie que Accra est importée. Et puis, il me dit,
faut que nous achetions batterie LTH là. Mais vous pas remarqué, l'on virait LTH, qui sont well buy? Achetez-le. Ouais. C'est jeu de mots, yeah, yeah, yeah. Donc ça veut dire que, est-ce que c'est vous qui écrit script pour vous, pour toute publicité, ou du moins, est-ce que vous travaillez avec des élèves, peut-être qui compte pour vous? En écriture, c'est moi-même. En matière de okay. réalisation, moi travaille avec plusieurs autres compagnies de vidéographie et ça quoi que nous font c'est de merveilles, non c'est de spots. Si on y a regardé spots Toto Bichayo et sur YouTube, il y a pour que donc c'est des commercials qui sortent de l'ordinaire. Vous comprenez, pas même besoin de citer parce que yo en pile tout spot ça c'est hit que yo, mais c'est moi-même qui écris yo, c'est moi-même qui écris yo, mais par contre moi travaille avec des compagnies qui ont besoin. L'ordi Graph City ou dit Muscat Group. Presque toutes les compagnies qui travaillent avec eux, c'est des compagnies que je choisis, qui ont besoin de magie. C'est pour moi que je me dis, OK, je traverse ce plafond car là, le réalisateur n'a pas dit, il n'y a pas de café. L'imagination n'a pas de limite en vidéographie. Donc, il faut que les gens font la production. Il faut que les gens sont même échelle avant tout. Voilà. En termes de quoi qu'il y a. Et l'époque Pam Bicha, moi te kon gade en papier avec en la ville en bouc. Et ça m'a marqué après moi vinn wè pi fò comédien suiv même personnage grand moun sa. Et papier la ville en bouc k ap pale de bay pouvè sinon de sède bay comme ça. Et gen pile personnage qui suiv même ligne sa. Ki sa ki cause ça d'après moi? Parce que, et là, pour l'Anguichat, par exemple, l'Anguichat, c'est qu'on fait théâtre classique. Mm-hmm. Et c'était plus parler français, un peu zuzu, son avocat, grincheux, tout ça. Mais là, on dit papa Pierre, ou bien on dit tonton Bichat, ou bien on dit Jessifra, Désirable, et beaucoup là, avec l'autre, d'accord? Donc, où est réalité la caille? Où est province là? Chapeau par là, son identité. Okay. Haïtien plus retrouvé dans lui-même, parce que qui s'acquit la culture, c'est tout ce qui reste après avoir tout oublié. Donc, vrai ou même non, ou pas qu'à nier. Et c'est là-dedans où on a senti ou pire à l'aise. Vous comprenez? Okay. Et c'est ou après un peu le monde, il y aurait un mélange de chat, il y aurait un mélange de papier. Mais une catégorie de monde qui tire mais l'anglais ça tant pile mais c'est des monde comme si qui plus ou moins UP c'est non monde qui n'ont classe une classe sociale plus ou moins avancée etc etc mais la grande majorité c'est pas papier lié en d'accord dit masse peuple c'est lié parce que il reflète Jean le ville il reflète réalité la ville exactement donc c'est l'anglais ça son verse et papa Pierre c'est son chapeau paille avec un vieux échange et cousin et en dehors. Est-ce que ça j'aime rêver que ou t'es gantan bon et n'a dit en personne quand même là n'a parlé de papa Pierre mais est-ce que ça j'aime rêver que t'es gantan jouer une pièce avec et avec un papa Pierre. Oh bon Dieu t'es gantan bonne chance ça. Okay. Parce que comédien préféré moi c'est papa Pierre. Et comédien préféré papa Pierre c'est tonton Bichat. Ça veut dire que le nous rencontrer nous fait même geste. Ça veut dire que m'a baisser tête devant monsieur, monsieur m'a baisser tête devant. Nous fait geste là ensemble. Ça veut dire pour me bal respect et puis l'album respect à même genre. Okay. Donc papa Pierre remet en pile nous fait tourner nous et États-Unis, nous jouer presque 17 fois. Oh, et nous t'es toujours full. T'es toujours full. Ouais, okay. Donc mes soirs gardés, on pièce que nous t'es joué dans Brooklyn College ou bien dans Erasmus High School à New York. Et si nous avons gardé, ton mal est pas coupable. Hein? Okay. Gardé, ton mal est pas coupable. Et ton mal était là toujours. Ton mal était vivant. Ton mal était là toujours. Gagné Sifrael et original Sifrael là. Qui était là et t'es gagné un peu l'autre acteur encore après Whoopi qui est dans New Jersey et Radio Tropical tout le monde sait c'était des acteurs à l'époque presque comiques donc mais son pièce m'a invité moi à regarder Tom Malé va coupable pour voir qui est-ce qui pas papier et c'est le samba pas papier tout respect comme si n'a joué ouais mais
Et là, ça, moi, je suis grand parce que moi-même, d'habitude, je ne parle personne on stage. Mais là, il faut des gens qui conseillent de techniques. Je suis une technique en vocifération, je suis une technique en déplacement, je suis une technique comme si en matière de gestuelle. Comme si monsieur conseil de bail, fait comme si m'obligeait, si je pas moi-même, je prends un coup parce que m'oblige à suivre monsieur. Ouais. Comme si mon côté, ouais. Monsieur respecte les règles théâtrales. Parce que pas oublier que quand on entre, et tout dépend de qui ça cap débat là. En matière de sujet, c'est pas même côté pour sortir. Ça veut dire, monsieur, il y a toute règle ça dans le livre. Moi-même, pour une formation théâtrale, je me dis, ouais, si papa, il y a un niveau ça. Monsieur, compte tout bagay yo, comme si me dit que. Comme si mon côté me rivait, me dit, qu'est-ce que je regarde, monsieur, je regarde. Comme si monsieur regarde, monsieur, dit ça. Vous sentez ma frappe ou à terre. Monsieur frappe, soit regarde pièce là. Mon côté me rivait, comme si moi me prends le rire vraiment. Et puis, monsieur, quand je regarde, je dis, mais je suis pas en train de. Mais ça, c'est monsieur avec qui a fait communication. Kikawel. Non, papa Pierre, en matière de théâtre, c'était un grand. Langui, chatou. C'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer et tout. Et qui t'a mis tes mains sous tête, moi. Je me suis dit, bon, eh bien, je passe au flambeau, oui. Et ça, quand l'homme, moi, tonton Bichat, il vient bien tout aura, ça. Et il fait geste en devant, et petite fille, qui c'est Lola. Là, ça, il était malade, il était là, Kaili. Et c'est là, ça, les premiers qu'on est, etc. Et puis, là, monsieur fait geste sous tête, moi, il me fait plaisanterie, je me dis, je passe au flambeau, oui. Et tonton Bichat. Et puis, mais le map gardé là, Richard, artiste, bon, son monde exceptionnel. Ouais. Mon exceptionnel, son monde que me respecter pour technique, monsieur, comprendre comme si monsieur inventait un pantalon 3-4. Ouais. Et pas oublier, c'est ton tambourine et tout. Monsieur, t'es un pilote chapeau. Oui. Bon? Ouais, mais s'il y a à choisir, et m'a choisi papa Pierre. Oui, bah, c'est monsieur choix, plus. Pas moi. Dans le monsieur plus semblé. Semblé, oui. Moi, t'as eu une chance et faire une petite conversation avec, justement, avec papa Pierre. Mais bon, c'est pas dans deux Alphonse des choses. Comme personnel, j'ai rencontré monsieur pas mal de fois. Monsieur, t'as eu une dernière fois que dans toute série que monsieur était fait dans la télévision nationale, il y a des fois monsieur voit Alphonse, série, il pas même compte ça le faire. C'est sous scène que des séries qui just négocient tellement clic, monsieur just improvise en bas, monsieur dit caméra roule et puis monsieur ça sont pas arrangé ça. Mais moi-même ma papa bien nous fait ça, nous fait ça dans Kajou TV côté que et gros émission que a fait et puis moi paraît dans salle là et papa bien paraît dans salle là parce que c'est des bases nous et puis Bobby Kajou monsieur dit ben et ba mouyon ba là non. Et puis, on dit, ben ok, on juste parler dans les oreilles papa Pierre. Et puis, nous dit qu'il sujet seulement. Avec deux frères, mais qui parlent discuter pour te. Seulement ça que nous dit. Et nous développons, nous développons. N'appelons pas une série de noms. Mais Les là. Est-ce que vous êtes capable de chose pour avoir une volonté, Silis? Alors, si vous avez un peu de c'est lourd pour une volonté. Eh? Me dit non mais papa nous mouri il t'a dit comme ça bout devant c'est pour moi patati patata comme si et puis nous gétant joindre non et papa nous c'est ça que l'improvisation papa bien bonne improvisation pour tonton Bichat bon on pas dire bon mais tonton Bichat pas mal dans l'improvisation et puis encore m'a tout profiter occasion pour m'inviter mon regarder en pièce papa papier et était fait encore. Et côté qui te gagné, c'est Baba oui qui te filmé bah ça côté papa Pierre te gonfi qui li remet qui est Angel pas son dieu non pièce là mais mon yo kawé de qui ça m'a pas parce que sur YouTube là et papa Pierre veut piaté comprendre parce que il y a un cob yo voulait la chercher et puis elle finit li vient avec cob là et du cob là là et puis la bon rapport cob là et pour cob là fini pendant le rappeur. Il n'y a pas de montre au cob là, Paris, Van der Valle, non? Cob là sous l'île, là. Ouais. Avec Sico. Et du moins, ça que bon, et. Non, $1,000 terre était dans cob là. Et m'rivé devant l'église, mon pauvre. Ah non, moi, pauvre, ça, vrai, si m'pas de gérer, pauvre, ça, grand bout à pouille. M'pas $500 dans cob là. J'ai dit, ok, bah, reste $500 qui était là. Eh bien, ok. Non, $500 terre était là. La terre était. Comme si, oh, monsieur. Oui, monsieur, bon. Ça. Et là, on a rentré dans la partie, l'autre
l'autre talent qu'on gagne au niveau de cinématographie. Je peut-être pas découvrir dans I Love You Anne qui c'est un film haïtien qui fait un grand succès, m'a dit. Et qui monde qui t'a écrit film ça et pour monde qui pas connaît vraiment qui rôle ou t'es rempli dans film ça Bicha? OK, I Love You Anne c'est un matin que moi levé. M'a regardé vidéo que tonton Bicha fait avec Boris Passy sur télé éclair. Et puis on dit ne pas gaspiller sujet ça, faut faire tout non film. Moi choisi non film là que moi les I Love You Anne parce que puisque sujet a déjà existé, c'est tonton Bicha, il y a un petit grand monde qui jaloux pour une belle petite qui gagne qui est Anne et que gagne un dread, un rasta et qui vient filer et que il pas les rasta à bouler et puis me vient là. Quand il y a là et moi aller côté Edner Jean et communication plus et, en fait communication film qui en dans communication plus et puis me dit Edner donc là et moi t'a voulu que faire un film qui relé I Love You Anne avec sujet vidéo qu'on a qui existait déjà qui relé Anne tonton Bichard avec Don Cato et tonton Cato a joué rôle rasta tonton Bichard a joué rôle papa n'a pas un monde pour nous relé Anne et puis that's it. Et puis moi checké un scénariste qui relé Silvio Tessier monsieur très très bon en écriture et monsieur le bon film il t'a écrit qui relé dans l'ombre du monastère et puis qu'il t'a pas fait avec monsieur King Passio je crois ça me dit monsieur Capé sur tout projet écrit I Love You Anne ça m'bon yo moi I Love You Anne déjà comme tout bail monsieur son ego cap monsieur qu'on langage yo et cetera et cetera et puis monsieur choisit nos caractères yo il toujours qu'un bien non tonton Bichard non Anne non Don Cato et puis il choisit non Père de Bérard et puis quand il y a là n'al chercher et personnage n'al nous dit monsieur mettez un caractère qui apparemment sorti dans l'autre classe sociale qui c'est idiot que et moi t'obligé à le chercher et puis nous jouons Anne et puis nous jouons tout l'autre personnage mais c'est pas Anne qui d'abord joué rôle là non c'était Blondedi que m'était voulu mais avant Blondedi nous t'ai joué Stéphanie Saint-Louis qui t'ai joué dans La Peur d'aimer un film que m'était font brièvement m'était passé là-dedans un film de Reginald Lubin et puis bon c'est comme ça et puis c'est comme ça nous compte le reste c'est l'histoire nous compte tout ça qui passé mais non succès fou ah oui ah oui c'est vrai de I Love You Anne Bicha à journée aujourd'hui là combien films qu'on participé déjà bon I Love You Anne miracle de la foi c'est miracle de la foi et qui filme encore donc La Peur d'aimer et on m'a parlé de film cinéma même on m'a parlé de sketch là film cinéma donc qui est encore bon, je pas trop songé, non, mais je ne pas participer dans trop de films que ça, parce que la raison, c'est parce que moi-même, je moi exigeant en pile. Et malgré que je me demande de Sylvio Tessier pour écrire scénario I Love You Anna, mais moi, je passe maintenant toute part de ton bichard. Ok. Ok, et puis pas oublier que c'est moi-même qui fais mise en scène et I Love You Anna. On passe maintenant non pas seulement non pas Tonton Bichard non scénario Tonton Bichard et puis non en pile bagarre ouais cap dit donc c'est Tonton Bichard qui et mettez qui tionio et me l'a dit bravo à Sylvio Tessier parce que monsieur Sylvio Tessier respect pour monsieur OK nous ouais cinéma haïtien font baisser et on encore mais on m'a dit là il y a encore mais qui ça fait ça d'avoir même Bicha et bien grand plus facteur pour moi même qui cause cinéma haïtien Jean Lié journal aujourd'hui gagner réalité et sociopolitique pays d'Haïti qui vient mettre qui vient ba nous une réalité culturelle qui en faiblesse et puis qui attaque toute sphère la net. Il y a des pas seulement cinéma, non, on dit cinéma ou dit ah oui, la culture folklorique, la culture en général, même musique tout, ça a affecté, OK, donc réalité paysan il reflétait tout ça. Yo. Et puis tout tremblement de terre là qui était vite passé, on connaît qui écrasé impérial
qui crasait Triomphe Paramount et qui crasait Rex Theatre qui vient cause que même le nous vient faire et We Love You Anne nous obligé faire ça que les projections massives donc moun yo camper 3000 moun camper par exemple dans Mercedes Salésien qui cafouyo et c'est tout ça c'est et puis manque d'importance que et chaque ministre culturel qui passait yo pas bail yo pas mettant rien nan, comme si yo pas bail la culture régler rien pour yo vous comprenez j'aime les deux là par exemple Cotoyer Ralph Condé ou son grand guitariste faut que m'tawe ou et même Jean Grain dans Palacio de las Convenciones et République Dominicaine chaque année yo mettait des artistes en compétition avec d'autres artistes bassiste face à d'autres bassistes, guitariste face à d'autres bassistes, et batteur face à d'autres batteurs, trompettiste face à d'autres batteurs. Et puis, on a regardé tout le qui fait latino net à travers le monde, qui vient dans le Palacio de las Convenciones pour venir prendre sa pension. Ok, meilleur guitariste de l'année, meilleur bassiste de l'année, meilleur vocaliste de l'année, meilleur compositeur de l'année, etc. Donc, nous n'avons pas un ministère qui pensait à ça. Ce n'est pas que nous n'avons pas un plan en main, parce que plusieurs artistes voyaient ça, vous dites que mettez artistes en compétition, meilleur publicitaire de l'année. Bon, vous comprenez, meilleur acteur de l'année, meilleur comédien de l'année. Donc, ils n'ont pas fait ça. Malheureusement, comme si, vous avez dit, depuis que la montée ministre culture, qui sac dans la tête. Li. Et c'est des bagages que m'a pris frappe, m'a pris malhonnête pour un background que le public n'a pas connaît. Parce que nous étions bien avec plusieurs présidents qui passaient. Vous comprenez? Mais là, par la ministre culturelle, là, elle a dit, ah, Michel, c'est ça, bah, qui est prioritaire. C'est. Est-ce que vous avez touché là, pour les gros machines, yo bal, et maison 1, maison 2. Vous comprenez? Donc. En pile de bêtes. Et. Même au niveau du cinéma, tout me songe, époque, pas ma songe. Bah, le cinéma, te gen, nous, oui, c'est bon, son fac lié, et un tremblement de terre l'a détruit en piscine. Même avant ça, nous avons un piscine qui était déjà fermé tout. Et ça, oui, ça. Parce que le cinéma a commencé à baisser. Parce que les concernés du cinéma haïtien, ou encore l'État haïtien, pour ne pas dire, et le ministère à la culture, le fait que vous pas mettez un focus sur le cinéma comme si bail des acteurs formation. Par contre, vous comprenez, parce que pour qu'une bonne industrie, oui. Faut que toujours un rodage. Faut que tout rodage, même tout ça. Même aux machines qu'on gagne, sous pas je me fais service là dans on le la camper sur highway avec. Normalement. OK, donc c'est la loi de la vie, donc c'est donc le où est ton quitte culture après aller comme ça, la brouille. Donc, vous pensez que tu as un driving ciné? Non, non, Carrefour, je crois. Côté que vous êtes dans la machine, et puis. Non, driving ciné, c'est une zone Delma, quoi. Delma, tu es. Delma? Bon, parce que laisse-moi me côté venir voir, mais c'est Diab, dis-moi. Tu as deux, tu as deux luxe et tu as driving. Côté de luxe, tu es. Ils ont tous les deux, moi, tu es dans la zone Delma, quoi. Tu es dans la zone Delma, mais mais Carrefour, vous avez gagné et Colisée. Oui, Carrefour, vous avez gagné Colisée, vous avez gagné Bazon Pétionville, vous avez gagné Cabanon. Oh, Pétionville, vous avez gagné trois cinémas. Pétionville, vous avez gagné Cabanon, vous avez gagné Concorde et vous avez gagné Étoile Ciné. Vous avez gagné Étoile Ciné. Et avec Pétionville, moi, je me garde bien. Très bien. Donc, regardez où est. Et, parce que qui ça nous a fait longtemps avant la naissance, comme si personne. Ouais, vous comprenez, moi, ça me dit de la naissance personne du cinéma haïtien. Ouais. Et nous te compte c'était cinéma étranger de regarder. Étranger, ouais. Mais Logado ouais et Titanic paraît li full impérial. Peu de temps après, alors vu en vient paraît pour faire révolution. Ouais. C'est bon moi. Révolution a commencé avec la peur d'aimer. Drainer full monde dans cinéma paraît avec la peur d'aimer. Mais le alors vu en vient paraît il vient mettre l'ordre dans les ordres de la net. Ouais. Ça veut dire que bon, ça c'est blocus total. Parce que, nous sommes à Love You Anne, l'impérial, comment on dit ça qui est en bas, l'I Triomphe, l'I Rex Théâtre, l'I Paramount, et puis il y a toute salle cinéma qui était vivant au Carrefour. Depuis ce côté qui est salle cinéma, plus il y a plusieurs gros bouts de la cour dans l'école.
même jour, yo, chaque jour, son chargé. Seul rendez-vous. Donc, ça veut dire que c'était ça la révolution. Mais c'est là, Mbaï et l'État haïtien, avec Moun, comme c'est les grands promoteurs du cinéma haïtien, là où la peur de me faire ça le faire, c'est un VIP tout, Moun Métropole, yo, t'es fait. Et qui est encore, alléluia, etc. Et miracle de la foi. Miracle de la foi. Là où est cinéma, où est Moun a drainé pour y aller regarder, quand y a là, film étranger, film qui sortit aux États-Unis, quand y a, y a bien 15-20 Moun par salle, et puis depuis ce cinéma haïtien, Moun va résoudre. Il faut que on demande là. On demande. Ouais. Donc, eh bien, c'est là, c'est succès ça qui vient par chute là. Wow. Ben, salle cinéma, yo, les regarder, yo, c'est salle, c'est cinéma haïtien qui est capable de faire comme. Et puis, pas gagner la relève. Année a passé, pas gagner la relève. Oui. Là, qu'on y a là, c'est cinéma et américain yo, que, qui pas même dans la culture. Parce que moi, je viens pour conscience, je dis que mes vraies cultures, nous jouons ça, nous besoin. Ouais. Même si les racines n'en paraît. Oui, ça, okay, oui. Même musique pas nous, hein. Ouais, pour l'expérience font carton. Et Campèche, et Latrier, et hein? Bref. Ouais. Pas gagner la relève. Donc, cinéma ici, en vine, cinéma américain, en vine, pas qu'à Kembe, moun pas vla regarder là encore. Et puis bon, ça le cinéma, pas qu'à faire comme, et puis yo chuté de par yo même. Cine, tremblement de terre, même dit bon, ok, nous commencer à chuter, bon, craser, on est craser impérial, li craser tout l'autre, yon net, dit bon, ok, nan regarde cinéma dans Netflix. C'est vrai, c'est vrai. Mais, comment faire différence de caractère entre les wap joué en film et les wap joué en pièce théâtre? Bon, et le wap joué théâtre là lui-même, c'est ça qui est le one shot. Okay. Tu n'as pas droit à l'erreur. Et c'est ça qui fait théâtre plus difficile que cinéma. Oui. On doit faire scène à Love You One. Ou est-ce que ça n'a pas passé pendant le cinéma ou juste pour aller se camper? Oui, oui. Mais, je dois faire ça 4-5 fois. 4-5 pour d'autres acteurs qui ont moins d'expérience que moi-même. Je dois faire un seul scène 20 fois. Ouais. Mais théâtre là, tu n'as pas droit à l'erreur. Et c'est ça qui fait un bas, pas papier, respect. C'est aller net. Mais, et, il y a une pièce, même si je joue théâtre populaire, il y a une pièce qui joue, c'est pas qu'il y a maintenant pour moi. Il y a un gars de pelle en tête pour Polydor avec Piram. Ouais. Yo! Et ça que pour jouer théâtre, bon mémoire en rage. En rage pour gagner. Tu n'as pas droit à l'erreur. C'est aller net. C'est à toi. Pas gagner coupé. Dans le cinéma, ou raton scène. Oui. Et puis, ok, ou pour quand tu coupes, ou pour couper. Et puis, quand il y a là, ou recommencer. Pas gagner mon qui te connaît combien de temps, mais ça que tu as mis des bloopers dans le cinéma américain. Après, pour regarder, regarde combien de fois Jackie Chan t'est tombé, regarde combien de fois Jackie Chan raté scène, ça, etc. Mais dans le théâtre là, c'est one shot. Yeah. One shot, exactement. Il y a une question qui est personnelle quand même, Bichard. Qui est le plus gros comédien haïtien pour vous et Mdakadi de tous les temps? Papa Pierre. Ok. Papa Pierre. Papa Pierre. Donc on aime respecter la Bichard en pile, en pile l'homme au bouli. Oui. Mais pour moi-même, le plus grand comédien de tous les temps, c'est Papa Pierre. Ça, ma PC comprendre Papa Pierre, je ne comprends pas. Ma PC est rentré dans la tête, monsieur. Je parle là, monsieur. Je me dis, bon, secret ou pas, ben moi. Je dis, où est tout le bagaille? Qui ça vous me barre encore? Je dis, où est le bagaille? Ok. Et en deuxième position, Gracier. Ok. La même troupe Ralph, et La Vie en Bouc. Ouais. Ralph, al gade La Vie en Bouc sur YouTube. Al gade Saint Gracier. Yo. Monsieur, yeah. Oh my goodness. Gracier, comme si Gracier toujours bon misérable pour la peau. Oh, ouais, next à côté, dont t'es vraiment. Et qui ça qui différencie Tonton Bichat avec Angé Sifra? Bon, bon, qui t'est malé dans ça qui. Qui ça que nous gagnons en commun d'abord? Nous gagnons le théâtre en commun, parce que nous faisons théâtre classique, nous faisons théâtre populaire, mais en plus, nous ne connaissons pas le théâtre classique. Mais je suis frère, bon, nous ne connaissons pas le théâtre classique, mais on nous dit le théâtre populaire, et là, nous nous retrouvons. Nous. Le cinéma haïtien. Moi, un peu excellé dans le cinéma haïtien. Moi, fait succès avec I Love You, Anne, avec l'autre film que moi participé dans eux. Moi, je suis frère parfait.
cinéma vraiment. Il était fait écraser l'enfer, mais oui, un film était et fait, ouais. au point de vue réglementaire, si par exemple, bon, un expert qui a regardé, cinéma, il a dit que il y a une pile règle qui n'est pas respectée, comparativement à I Love You Anne, qui plus ou moins respecté les règles. Et je suis capable de dire, fait cinéma, vraiment, plus ou moins. Je me dis, mon petit Jean, mon petit là en plus, j'ai si frère dans affaires cinéma. Okay. Et puis, dans publicité également, parce que tant mieux, ça fait un pile hit. Ça veut dire, ma parlé, c'est fait tant pour son porte-parole que mieux, fait tant pour son autre monde qui a parlé. Ouais. Et en matière de cinéma et de publicité, tant mieux, ça est un peu plus avancé que j'ai si frère. Tout le monde voit ça. Ouais. Même respecter l'anthéâtre là. Il y a des gens qui disent même qu'ils battent Tonton Bichat dans affaires théâtre. Mais je ne peux pas dire ni oui ni non, mais c'est son scène pour nous tailler dans le concours. Et pour nous mettre un million de dollars à terre, pour nous. Qui est-ce qu'il si oui ou bien sinon. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut avoir leur lame, c'est tout. Non, le gars doit battre comme ça. Tout. Pas dire, pas dire, c'est ça, non, pas dire, pas dire, pas dire. Il y a une preuve même. Et mon nouveau. Bichat, ou pas seulement un comédien ou son chanteur ou rap tout dans le monde qui parle comme ça, parce que dans ti recherche pas fait moi ou t'es gon musique qui est doucis côté c'est ou qui t'es rap. Maintenant, parlez-nous de talent caché de Bichat que en pile monde pas connaît. Bon, et tonton Bichat et nous fait rap, nous fait trap et après expérience 11 ans avec Borders Passy et imagine là donc ouais tonton Bichat chanter sans fausse note na Haiti troubadou et dans quatre campé yon musique à succès que et Radio France Internationale il retire chapeau devant dans toute Caraïbe là à l'époque que il était paraît et on prend Tropicana pour 40e et anniversaire yo qui invité tonton Bichat sous album yo septentrional pour 70e anniversaire yo qui invité tonton Bichat sur album yo nous trouvait que c'est pas sans raison c'est parce que ouais grand monde nan ka chanter et comédie musicale la li nan nous et que des fois au besoin on dit tout ça donc nous trouvait que son honneur le septentrional et Tropicana et que yo invité moi sur album yo et le gars de Haïti Troubadou pour album 40e anniversaire Tropicana. Yo invité c'est deux albums que yo fait yo invité dans tous les deux donc okay. Donc cela veut dire on trouvait que et son bénédiction pour moi parce que n'a parlé de Tropicana n'a parlé de Septan deux patrimoine mais c'est des monde qui respectaient talent tout Oui, of course. Donc, mais tout, si grand monde n'a pas de chanter, il va y avoir paraître dans le studio et il va fausser. Oh oui, il va fausser. Il dit qu'il va fausser. Il chante très bien, sans faute. Ou pas qu'on note, ou pas qu'on range vocal ou. Donc, ou carré tout en haut là dans le studio. Donc, il y a une petite technique que nous avons. C'est ça. Et puis, le fait que tout le monde qui pas connaît tout, que l'on joue un instrument tout, et ça aide toujours. Et sous notre oui, parce que pas oublier que Nangita me fait titer que moi et que et m'a tout demandé là publiquement pour Ralph Condé et mal et net c'est sûr que nous connaît Ralph Condé comme même belle guitare Bichat dans monde là élève moi tout monde qui pas connaît tout et qui prend coup ça donc au calé dans Ralph Condé et puis enregistrer pour prendre ou prendre c'est pas cher avec c'est Bichat. Pas cher. Non, c'est pas cher. Et donc, ça veut dire que Bichat, vous faites un pile collabo quand même avec un, deux, trois artistes, au saut de Bayo là, et Espaci. Mais il y a un pile, parce que l'homme gardé et un album que je participe là-dedans, Tira. Je participe sur l'album Tira. Ok. Et je participe sur. Pile l'autre album. Mm-hmm. Bon, ça arrivait que mal dans le studio, je viens de Bichat, bon, mon coup de menon là. Et puis, je ne connais pas ça même. C'est-à-dire, c'est. Bon, mais je suis en liste là, je n'ai pas dans la tête, moi là, même je suis en liste là, tout le jazz que je participe avec eux. Et, mais maintenant, je ne suis pas sur l'album avec eux, mais nous sommes live
Il était joué très 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 souvent là dit et Kazakh expérience dans Cap Haïtien, ancien jazz Ali la Rivière et la colle musique magique ancien jazz Deli François et donc nous fait ti causer, nous fait ti causer, ouais, c'est ça. Avant nous finir Bichat, qui nouveau projet Bichat gagne la travail Kounia, qui ça cap cook pour Bichat Kounia? Bon, actually ça cap cook là c'est I love you Anne part 3. I love you Anne 3 que ou joine tonton Bichat la donne et Tite Joseni et c'est big partner. Regardez nous nous pis bien que avant de fâcher. Ouais, tout la guerre secret là. OK. Tonton Bichat et Tite Joseni, Don Kato, Anne Pedemeran même acteur. Et presque même acteur yo Blanc de Di, Ferdinand, Tiregi Jacout, et wap gen Chaba, wap gen en pile l'autre monde nan monsieur TikTok yo me fait appel à plusieurs nan yo tant pour Josma etc. Donc nous pas mettre en nouveauté et n'a profité occasion pour nous dire que nan Love You An 1 c'est complet d'artistes nous fait que nous t'a fait en dans film nan si yo bien gardé et y a pour original Kangé c'est dans film. OK. OK. Il y a près 20 gens dans le film là. Oh ça c'est l'an 1. L'an 1. Oui, donc, oui. Pour oui. Monde qui pas tout, donc oui, c'est oui. Très intéressant. Non, on a même gardi un c'est une grosse référence. Mais pas connait si 2 a fait même succès avec 1 mais un c'est tombé en rage net. 2 1 est-ce que m'ca lié comme avec succès. Non, 2 a nous fait plus comme. Oh OK. Mais 1 a fait plus succès. Impact. OK. Mais 2 a il te fait plus comme c'est une nostalgie qui la cause ça. C'est-à-dire, nous venons larguer le film dans 6 ans après 1. Vous voyez? 6 ans après. Le larguer 6 ans après, vient cause que Mounio, et c'est le moment cinéma haïtien a chuté. Mounio, ouais, que vous n'avez pas joué le cinéma haïtien encore, puis quand vous venez joindre We Love You And. C'est-à-dire, ça a nous relé à Love You And numéro 2. Ok. Vient pas vraiment gagner une salle de cinéma encore. Mais qui ça, Mounio fait? Mounio fait ça plus simplement. Projection massive, jeune 3000 moun qui campé. La koukay pe, la koukay frère, tout côté, nan ou kay, tout côté net. Donc, nous, ouais, donc, comme ça, nous venons faire plus comme. Mais, m'pire met 2 à que 1. Tous les deux, nous yon kal gade oui, sur Amazon Prime. Sou mette I Love You Anne, et vous mettez We Love You Anne, ou après tous les deux. Et, ok, oh, mais, yon déjà, moun qui gen Amazon Prime, yon la gade yo. You can regard it. $2.99, something like that. Ok. Et l'an qui point nous y est vraiment? Et est-ce que qui n'a pas mon téléspectateur qui a regardé là? Et ba mon yon barème, est-ce que ou même là pour qu'on date, ben, ba yon ti, l'an combien de temps pensez que nous avons fini avec en troisième? Pour le moment, nous en phase d'écriture. Ah, pour être honnête, nous en phase d'écriture. Et que moi penser c'est pas pour année 2024 ça. C'est seul ça que je suis capable de dire. Ouais. C'est pas pour année 2024 ça. Mais tout acteur préparé, même le nous commence à prendre l'âge, n'a prendre mille âge, mais tout est acteur yo et yo préparé pour ça. Nous t'a souhaité grand mettre là qu'embe nous vivant pour que et nous ba moun yo ça pour nous ba yo parce que tout mon avis qu'on est OK dans numéro 2 an à enceinte pour qui est enceinte pour ti Régi pour ti Joe pour Don Kato parce que c'est trois moun qui était censé entre guillemets jouer dans jouette là an perdu frein nan mais tonton Bichat nan mais grand moun nan yon clienta là qui a fait basse et qui nan guichet qui a touché causé. Si vous regardez le numéro 2 a fini, il y a pour que à l'enceinte et que faut qu'on pour qui est. C'est là-bas à l'envoi le dire. OK. Donc il y a qu'on tout ça en troisième. Et puis en petite là pour le faire tout. Donc il y a qu'on pour qui est. Et si le clair, c'est pour Tidjo. Si le noir, c'est pour Don Kato, mais si le clair tout, c'est pour Tidjo. Il ka tire ji parce que tire ji presque même couleur avec Tidjo. Donc ça veut dire là pour le grand amalgame et c'est l'âme pour qu'on a dit font titan. Voilà.
Eh bien, c'est ton plaisir, mes amis, de gagner gros légende ça avec moi, qui c'est tonton Bicha, qui t'est passé là de Ralph Condé Show. Bicha, je ne sais pas qu'on est second dernier mot que tu as ajouté avant de finir. Même dans mon banon dernier mot, à la manière de Bicha. Bon, ma bay dernier mot, mais on bien pour compléter dernier mot à tout. Oui? Pas de problème. Et m'a dit comme ça que. Hey! Tout le monde, c'est ton plaisanterie pour tonton Bicha avec nous. Nous connaissons, mais nous en pile, je vous rime, regardez, énormément. Mais si tout, m'a dit non, grain cause. Guitare, c'est un plus bel instrument qui gagne sous la terre bénie. Monsieur ça qui a côté là qui se rage il ca apprend nous jouer instrument ça non badge mais c'est lui qui a bon website dan, et puis pour dou qui ça qui pour faire grand merci bon bagay et ben j'entends ton sort dire là c'est très facile si vous suivez mission ça sur remain instrument ça qui les guitare et ben allez dans ralphcondé.com et ben justement vous just enregistrer et puis ou à plugin, ou à créer un compte et puis ou à apprendre nous trois plans, ou à même sous beaucoup qu'on a un même la guitare, nous gain plan pour pas qu'on a un soit avancer, ou à jouer un plan pour ou sous professionnel donc c'est ça. Et tonton, voulez expliquer nous là. Bicha, c'est ton plaisir. Excusez-moi, n'a dit monyo que là dit trois plans, pour pas penser c'est plan banane, plan mangue, plan patate. Donc c'est trois plans guitare. Exactement. Voilà, eh bien, c'est avec nous et tonton Bichard qui était l'an passé de Ralph Condé Show. Rete, branché, n'a pas une petite pause, n'a pas tourné tout à l'heure. Stay tuned.